ressemble beaucoup. Bonjour Pikachu. Où on va? On va essayer la manette Forza à Micromania. Je suis sûr de la route. Oui, je crois que c'est la route la plus courte. Enfin, j'ai mis Waze. Arrête-moi, l'envie de faire caca. Ok Pikachu, il y a un arbre, tu vas pouvoir faire caca. Salut les petits Kirikou, bienvenue sur la chaîne Kiosk Game pour une nouvelle vidéo. Vidéo dédiée cette fois-ci à la présentation de la manette Xbox One Forza Horizon 5. Donc petit déballage et petite présentation rapide pour pas perdre de temps. C'est parti! On procède à l'ouverture de la boîte et on retrouve tout de suite la présentation de la manette. Il suffit de l'enlever, à savoir qu'elle n'est pas plus protégée que ça dans la boîte à son achat. Donc on retrouve une manette face avant avec du plastique jaune transparent, où on peut voir les vibreurs. Ensuite le petit logo Forza. Ensuite les sticks bleus et le stick rose. Et les boutons fond rose avec les écritures bleues. À l'arrière de la manette, on retrouve un grip type caoutchouc, donc des deux côtés, les gâchettes et les boutons supérieurs, et le port de rechargement en USB-C. Donc vraiment assez jolie cette petite manette. Donc dans la boîte, on retrouve des piles de marque Duracell, les manuels d'utilisation, et un petit code Forza Horizon 5 qui permet de télécharger une voiture exclusive et un costume exclusif Forza Horizon 5 sur PC et Xbox. Voilà, on refait un dernier petit tour rapide pour que vous puissiez bien voir tous les détails. Vraiment très très joli, hein, le petit H holographique. Et les petites stries pour éviter de déraper. Vraiment très jolie manette. Allez, on perd pas plus de temps, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a vu. C'était très rapide, mais c'était vraiment pour vous montrer l'intérieur de la boîte et voir si cette manette vous plaît et si vous avez envie de l'acheter. Elle était disponible sur différents sites, le site Xbox en lui-même. C'est une manette collector, donc c'est possible qu'elle ait disparu. Alors pour les frontaliers belges, j'ai vu qu'à MediaMark, il en restait encore en stock. Donc pour ceux qui ont envie d'aller du côté de Mons, n'hésitez pas à y aller. Et je fais un petit bonjour aux pompiers d'Ostende, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Kiosk Game. Kiss.